Hey, salut tout le monde, c'est Home Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de The Legend of Zelda, Majora's Mask. Et après cette petite, eh bien écoutez, petite cinématique où on en a appris un peu plus sur la rencontre entre Taya et Skull Kid, qui a été vraisemblablement, et c'est même sûr et certain, possédé par le masque de Majora, eh bien on se retrouve dans les bois à l'orée des marais. Parce que c'est là, c'est dans cet endroit, eh bien écoutez, qu'on va commencer notre petit périple pour aller dans le premier donjon. Un donjon qui est assez atypique, je vais pas vous mentir. Même si ça reprend essentiellement le gameplay un peu d'Ocarina of Time, vous allez voir qu'il possède sa petite difficulté, mais ça on aura tout le temps d'y revenir. Je pense très sincèrement qu'au niveau 6, on fera le premier donjon, première partie du donjon, et l'épisode 7, eh bien, ce sera la seconde partie. Donc, je peux vous le dire franchement, Let's Play Majora's Mask va être long. Il va être encore plus long que Ocarina of Time. Et après tout, c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps sur ce jeu qui, encore une fois, je ne l'aime pas. Mais j'espère vraiment, ça fait partie de mon challenge. Et d'ailleurs, petite dédicace à mon abonné premium, comme même le dire ma marraine de YouTube, Gossip Gloss, et bien XPM, voilà, merci beaucoup pour ton soutien par rapport à ce challenge, parce que c'est vraiment un jeu que je n'aime pas. Mais bon, j'espère à la fin vraiment que mon avis changera sur ce jeu. Mais c'est pas gagné. Enfin bref, là on aperçoit Tingle. Et justement, je me suis fait un petit peu de sous-sous avant d'arriver au marais. Vous allez voir que l'épisode va pas être très très long. On va vraiment essayer d'aller à l'orée du Palais Mojo. Donc je vous explique un peu comment on va se passer. Attendez, alors. Je vais pas vous lire à voix haute. Voilà, vous connaissez la suite. Je vais lui acheter une carte. Je crois qu'il va me la vendre 40 rubis, c'est ça? Non, 20 rubis. Donc là, on est au bois Cascade. Et dans le prochain... Attendez. Là, nous sommes dans les marécages. On va aider quelqu'un qui aura besoin, et eh bien, qui va nous... On va aider quelqu'un qui nous aidera en retour pour l'avancée du jeu. Dans l'épisode 5, nous serons dans le Palais Mojo. L'épisode 6, on fera le premier temple. Et l'épisode 7, ce sera la suite et fin. Donc, autant vous dire, comme j'ai expliqué, j'espère sincèrement dépasser au moins les 15 épisodes, comme les 20 épisodes, comme j'ai pu le faire pour Ocarina of Time. Je vise les... Allez, au moins qu'il soit presque aussi long que Twilight Princess. J'espère sincèrement. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans les bois cascades. De toute façon, je vais renommer l'épisode si jamais je me trompe. On est dans les marais du sud, ok. On va nommer ça les marais du sud. Alors écoutez bien la musique. Et j'en profite également pour faire une petite dédicace à mon ami de toujours, Chris, de la chaîne Critique Christie, qui en ce moment n'est pas très très bien. Donc si tu regardes la vidéo, mon poulet, je t'embrasse bien fort, je sais que c'est pas facile ce que tu vis. Et cet épisode t'est dédié, n'hésite surtout pas... Merde, il y avait un hibou, putain, il y avait un hibou. Je vous expliquerai ça dans l'épisode prochain. N'hésite pas, mon poulet, à faire un petit tour sur la vidéo, voilà, je te dédie grandement cet épisode et j'espère que ça te rendra le sourire et je te fais un gros bisou mon ami. Voilà. Alors voilà, donc le titre de terre que j'ai gagné dans l'épisode précédent va me servir justement pour avoir le quart de cœur. Ok. Super. Ah, il me manque plus qu'un autre... J'aurai un réceptacle de cœur supplémentaire, voilà, justement c'est pour ça que je fais ça. Titre de terre, ok, vous connaissez la suite. On verra très souvent dans le jeu des pestes marchandes, et ça nous servira notamment à avoir des quarts de cœur et tout ça, voilà. Allez, vas-y, arrache-toi. Donc comme je vous l'ai dit, écoutez bien la musique parce que ça servira. Ok, super. Allez, vas-y, maintenant. Ok, super. Et voilà, nous venons d'assembler un nouveau cœur qui sera ajouté aux trois anciens. Super.
Donc là, on va vraiment alterner entre Link, Lilien et le Link Mojo. Voilà. Et attention, d'ici la fin de l'épisode, nous allons aider une sorcière qu'on a déjà vue dans l'épisode précédent. Souvenez-vous, alors attention, je me permets de me faire appel à ma mémoire qui n'est pas infaillible. Pendant que je fais ma petite progression. Alors attendez, j'essaye vraiment de me souvenir. Oui, il y a 24 épisodes dans le Ocarina of Time. Quand est-ce qu'on a vu les sorcières? On les a vues à la fin de l'épisode 20 et l'épisode 21. Souvenez-vous, l'épisode 20 et 21 de Ocarina of Time. Je mettrai en haut à droite une petite annotation si jamais la mémoire vous fait défaut. Ce sont Kume et Kotake. Absolument, voilà. Ça va être le grand retour de Kume et Kotake. Je ne sais pas ce qu'elles foutent dans Terminia, parce que c'est justement là où on se trouve. Terminia qui est un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, le monde parallèle, l'égal parallèle de Hyrule. Mais ça, on aura tout le temps d'y revenir. Attention, c'est parti. Et bien sûr, il y a les bois perdus avec la même musique. Je vous dis, c'est la même musique, c'est... Attends. Toi me suivre. Alors, il faut bien suivre ce petit macaque. Parce que si on perd du coup, on va être dans la merde. Et là, il va y avoir des nouveaux ennemis. Une tortue. Parce que le tortue... Pardon, désolé. Non, me fais pas chier, toi. Putain, bâtard. Bon, je t'aurai la prochaine fois, t'inquiète pas. Alors, on m'a demandé... En off, hein, bien sûr, un ami m'a demandé si j'allais faire la quête des masques, si j'allais faire la vraie fin, parce qu'il existe aussi dans ce Zelda une véritable fin si on a tous les masques. Alors la réponse va être sans équivoque, oui, je vais faire toutes les quêtes des masques, et d'ailleurs je vais faire un épisode spécial quête des masques, où on va essayer de tous les choper, mais pour le moment... Oh, aïe aïe aïe, aidez-moi! Et voilà, ça saute... J'étais occupé à accueillir ce certain esquel qui pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne reconnaîtrait pas malgré son masque. Oh oh, et dire qu'il est aussi puissant que ça, et voilà, mais voilà, immobilisé. Toi, tu ne poserais de rien qui puisse me donner de l'énergie. Ok, d'accord, donc apparemment, il faut lui donner de... Ah, mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'es d'aucune utilité. Je dis, il me semble que tu n'es pas du tout être celui qui... bref, j'appuie toujours aussi vite, hein, ça change pas. Apparemment, il faudrait lui redonner de l'énergie, et je crois savoir où il faut aller, je crois qu'il faut se rendre justement là-haut, parce que là, on a vu Kume... Et maintenant, on va voir Kotake. Et je crois qu'on peut lui acheter un flacon. Et un flacon qui va nous donner de la potion rouge. Et à l'issue de l'obtention de Kume de la potion rouge, on va pouvoir garder le flacon. La hutte des sorcières. Écoutez bien la musique. Ça vous rappelle rien? Ils ont complètement repris le thème des sorcières dans le temple de l'esprit. Et c'est complètement les mêmes. C'est les mêmes prénoms, donc je sais pas, si vous y comprenez quelque chose, les amis, n'hésitez pas à me dire parce que je comprends rien, j'ai du mal à comprendre. Sachant que Terminia et Hyrule, ça n'a rien à voir, donc qu'est-ce qu'elles iraient foutre là-bas? Sachant qu'en plus, elles servent Ganondorf. Ou alors est-ce que ce sont pas des Kume et Kotake parallèles? N'hésitez pas à m'expliquer parce que là, j'ai du mal à comprendre. Quoi qu'il en soit, on va donner la potion rouge à Kume. Et je sais qu'une fois que ce sera fait, eh bien, elle va nous donner... attendez. Elle va nous donner la possibilité d'aller dans les bois cascades. Voilà. Ça va être la prochaine étape pour l'épisode 5. Vous avez le programme. Donc l'épisode 4, là, on est dans les marais du sud. L'épisode 5, ce sera les bois cascades. Ainsi que... Le palais Mojo, parce que je vais pas vous spoil, on va aussi faire un petit tour dans le palais Mojo. L'épisode 6, ce sera le premier donjon, je vous dirai pas le nom tout de suite, parce que, voilà, on va rester quand même... on va garder le secret. Et l'épisode 7, ce sera la suite et fin du donjon. Et l'épisode 8, je pense qu'on fera des quêtes annexes. Et l'épisode 9, on ira dans le prochain domaine, voilà. Donc le programme est plutôt chargé. Et je crois que j'ai fait le programme pour un mois. Donc ça va être... Donc ça va être plutôt chargé, voilà. Alors les amis, mes amis, ah merde, on arrive, oh putain, on va arriver au deuxième jour, ah oui. Eh ouais, se sent pas obligé de venir en aide à une vieille dame. Alors maintenant je vais donner la potion rouge, hop, tiens, prends ça mamie,
Voilà. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotake. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Komé revient à la vie. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais, je m'occupe de la croisière. Rends-moi donc visite si tu veux, je te ferai un petit prix. J'appris toujours aussi vite, bordel de merde. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, nous avons sauvé Kume. Et je m'étais pas trompé, parce que je pensais avant que Kotake était Kume et que Kume était Kotake. Voilà. Donc là, on va se rendre au même endroit où on était. Et on arrive au matin du deuxième jour. Putain de merde. Toi, avoir pouvoir étrange, non? Moi, t'avoir observé. Marais rempli d'eau empoisonnée. Temple étrange au-dessus de cascade, frère est parti au temple. Mes frères pas trouvé entrée du temple, temple seulement pour Mojo. Écoutez bien ça. Frère capturé par Mojo, être dans palais maintenant. Au secours. Je dis bien. Hein. Ok, d'accord. Ah ouais, je commence à comprendre. Vous savez, j'ai dû faire le jeu je sais pas combien de fois, je me suis dit pendant longtemps j'étais bloqué au deuxième donjon, ce qui est assez particulier. Qu'est-ce que je fous là? Je pense qu'en off, je vais remonter le temps. Écoutez, on verra. Parce que j'ai peur, en fait, si vous voulez, d'arriver au troisième jour et de devoir de ne pas avoir assez de temps, si vous voulez, pour faire tous les tout le donjon. Je vais voir. De toute façon, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. Je mettrai une petite annotation si j'y pense, mais ce sera fait. Alors. Bah écoutez, cet épisode est plutôt intéressant, je vais pas vous mentir, David, il y a des épisodes qui me font chier à faire, et c'est plutôt intéressant. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, parce que je reste quand même sur ma réserve par rapport à ce jeu, pour l'instant c'est intéressant, voilà. Mais encore une fois, moi ce qui me rebute, c'est vraiment l'atmosphère du jeu, c'est vraiment le côté morbide, et vous allez voir que... Là pour l'instant c'est gentil, mais à partir du deuxième et troisième domaine, ça va commencer vraiment à être galère. Et il y a un donjon que je redoute tout particulièrement. Ah, il reste 60 heures, putain, merde. Donc, l'office du tourisme, ok. Non, c'est pas là. Et voilà, ça saute encore, putain! Bon, écoutez, je suis désolé, voilà, on a gagné une boîte à images, vous savez à quoi ça sert, voilà. Je suis désolé pour les sauts, les amis, hein, tant pis, j'essaie de faire comme je peux, hein, voilà. Bon, alors, donc, écoutez, il reste 1 minute 57 pendant la croisière, j'ai fermé les formules d'usage. Vous savez à peu près ce qu'on va faire pour l'épisode 5, on va aller dans le palais Mojo, on va essayer d'en savoir un peu plus et de retrouver le petit singe qui a été capturé. Si l'épisode te plaît pendant que je suis en train de faire le con là avec la caméra, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Ham Game. N'hésite pas non plus à me laisser un petit like qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir, à partager la vidéo autour de toi, à activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, à liker la page Facebook Ham Game et à me suivre sur Instagram HamGamer-69 ou comme ça se prononce HamGamer9. Et à t'abonner à ma chaîne secondaire musicale, Home Music, puisque je suis professeur de batterie et musicien. Attention, l'Octorock. Voilà, au revoir. Nous, on se dit... on se retrouve très bientôt pour... Écoutez, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour l'épisode 5. Attendez, je vais faire juste un truc. Ah, il y a un singe qui est là. Il y a un singe qui est là. Nous arrivons au Palais Mojo. L'eau est empoisonnée ici, alors faites attention de ne pas tomber, t'inquiète pas pour ça. Tu débarques ? Oui. Donc pendant ces quelques secondes qui restent, eh bien, je vais vous laisser avec le petit singe, voilà. Il me demande de le suivre, mais on va pas entrer tout de suite, parce que sinon ça va gâcher toute la surprise. Voilà, donc là, on est, semble-t-il, dans le Palais Mojo. Écoutez bien la musique, putain, la lune est horrible. Et je vous rappelle que chaque domaine correspond à une phase de deuil. Là, nous sommes dans la colère. Le prochain, ce sera le prochain, ce sera le déni, je crois. La colère, le déni, Enfin, en tout cas, on aura temps de reparler. Allez, les gars, je vous embrasse. On se retrouve pour l'épisode 5. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Salut tout le monde et gros bisous. Salut tout le monde.